Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre chaîne YouTube qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportive, culturelle et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veuillez partager et liker et vous abonner massivement. Veuillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veuillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'arrestation de Jésus Baoulé en Côte d'Ivoire. Gbemele Kouakou Étienne, prétendant être la réincarnation de Jésus-Christ sur la terre, a été interpellé ce jeudi 31 mars 2022. Apprenons de sources proches de son église Patmos Dieudonné. Gbemele Kouakou Étienne, plus connu sous le nom de Jésus Patmos ou le Jésus Baoulé, a été interpellé ce jeudi 31 mars 2022. Selon l'un des membres de son église, Patmos Dieudonné de Côte d'Ivoire, joint au téléphone, le guide religieux a été emmené par des éléments de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire pour une simple audition. Il n'en est rien, c'est juste audition et juste après ils reviennent à la maison. Ce voulu rassurant le disciple de l'église. Ce n'est pas une arrestation, c'est juste pour les escorter jusqu'au poste de la gendarmerie pour les entendre. C'est tout, a-t-il poursuivi, précisant que les gendarmes se trouvent encore sur le lieu du culte. Évoquant les motifs de cette interpellation, notre interlocuteur a indiqué ne pas savoir les raisons véritables. Toutefois, il a pointé un doigt accusateur sur certains détracteurs qui perçoivent mal l'évangile enseigné par leur guide religieux. Nous, en tant que fidèles, on ne voit pas vraiment pourquoi il a été interpellé. À part notre évangile, est-ce qu'il dérange les gens? Sinon, à part cela, il n'y a rien, a-t-il fait savoir. Mais de sources concordantes, le guide religieux de l'église Patmos Dieudonné a été arrêté par les fins limiers sur convocation du comité des pasteurs de Côte d'Ivoire. Avant cette interpellation, des responsables de l'église s'étaient insurgés contre le silence assourdissant des adeptes de l'église face aux railleries dont fait l'objet la mission du guide de Patmos Dieudonné. Adulte originaire de la ville de Béoumi, dans le centre de la Côte d'Ivoire, Gbemele Kouakou Étienne, l'homme qui se fait appeler Jésus Baoulé, a été révélé aux Ivoiriens à travers des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. Selon un manuscrit écrit par la prophétesse Naomi, guide spirituel de l'église Patmos, le Christ se serait incarné en ce jeûne du nom de Gbemele Kouakou Étienne alors qu'il était encore élève au lycée moderne de Béoumi en classe de 4e en 1991. Cette histoire d'arrestation de Jésus Baoulé en Côte d'Ivoire fait couler actuellement beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Pendant que d'autres internautes se réjouissent de son arrestation, d'autres sont mécontents et demandent tout simplement la libération de Jésus Baoulé. Nous prenons les sources de cette affaire sur le média ivoirien en ligne l'infodrome.ci. Nous suivons cette affaire de très près et dès que nous avons des nouvelles, nous reviendrons vers vous pour vous informer. Ainsi prend fin cette nouvelle note d'information sur DHTV1. N'oubliez pas de partager, liker et de laisser un commentaire. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne YouTube DHTV1 pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.
Voici ainsi un petit résumé de l'actualité du jour. N'oubliez pas de partager et liker et vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.